D'une déclaration à une autre, nous vous invitons maintenant à suivre celle faite par le porte-parole de l'intersyndicale des régies financières, Jean-Parfait Missot, sur la suspension de leur grève. Communiqué de l'intersyndicale des régies financières. L'intersyndicale des régies financières informe l'ensemble de ses membres et sympathisants qu'elle est désormais composée des syndicats suivants. Pour la Direction générale des impôts, le SINAF et le SINAI. Pour la Direction générale des douanes et des droits indirects, le SNAD et Transparence. Pour la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, le SINAT. Pour la Direction générale des hydrocarbures, le Samper. Par ailleurs, l'intersyndicale des régies financières tient à rappeler que son mouvement de grève demeure suspendu à ce jour et invite l'ensemble des agents de direction générale suscités à faire preuve de responsabilité et à regagner leur poste de travail en toute sérénité. Enfin, l'intersyndicale des régies financières appelle le gouvernement au strict respect de ses engagements afin de permettre l'ouverture des négociations. Fait à Libreville le 21 août 2017.